C'est l'histoire d'un combat entre une femme orientale et un homme occidental qui s'aiment en fait. Et ils s'aiment malgré le fait qu'ils soient ennemis. Et au moment où ils combattent, il y a une fureur dans leur combat qui vient peut-être du fait qu'ils s'aiment d'ailleurs, ça on ne le sait pas. Et ici, nous avons une femme occidentale, un homme oriental qui vont s'échanger finalement. Et de cet échange, de ce mélange, naît une présence qui va, nous l'espérons, nous dire quelque chose. Une chose que ça m'a beaucoup inspirée, c'est le courage que ces personnages ils ont. Courage de se battre, courage de regarder en face la réalité, courage de pleurer, d'éprouver des sentiments. Ça manque un peu aujourd'hui. Il faut qu'on retrouve ce courage pour notre vie. Il y a un peu un choc de culture dans cette histoire. Et le choc de culture, il est dans le Combattimento de Monteverdi, hein, puisque c'est donc un chrétien qui se bat contre une sarrasine. Et il y a un choc d'époque. Déjà, le choc, il est dans le fait que nous jouons aujourd'hui une musique qui vient de 400 ans. Donc là, on a juste amplifié ça. Et un élément très important dans cette rencontre, c'était aussi le fait que nous avons un danseur japonais qui nous amène une culture très ancienne qui est nourrie dans l'art des armes, donc du combat. Mais chez eux, l'art du combat est devenu une esthétique suprême de beauté, mais aussi de vie. Et nous avons Bruna Gandoni, qui est une danseuse extraordinaire, qui, elle, a exploré l'art de la danse de la Renaissance, qui est aussi une très grande esthétique qui cherche à apporter une harmonie. Je collabore avec Frédéric depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et puis, on se respecte beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, chacun son art, on respecte beaucoup. Et puis, j'ai fait confiance totalement à lui, et ça, artistiquement. Donc, sa proposition, déjà, oh, c'est très intéressant. Et puis, exactement ce que je voulais faire. C'est un défi, c'est vrai, mais à la fois, je le considère comme un cadeau de ma carrière.